Depuis le début de sa saison 2 à la fin août, à prendre ou à laisser peine à retrouver son public sur C8. Le jeu de Cyril Hanouna, qui a subi de nombreux changements de programmation, a été jusqu'à diviser par 3 ses audiences par rapport aux dernières semaines de l'exercice 2019-2020. La salle soirée de Semi et Meli ce lundi 5 octobre, Cyril Hanouna entendait inverser cette tendance. Juste avant Touche pas à mon poste, où il a signé un record de saison, l'animateur a accompagné le parcours de Semi et Meli face au banquier. Les jumeaux, qui jouaient pour l'association Action Solidarité au Niger, ont mêlé suspense et émotion. De l'aveu même de Cyril Hanouna, ils ont vécu une sale soirée. Ils sont repartis avec la somme de 2,5 euros. Une page de record pour Cyril Hanouna. La partie cauchemardesque de Semi et Meli a orienté C8 à la hausse. Une semaine après avoir été remplacé par Bernard Montiel, Cyril Hanouna a progressé de 0,3 points pour atteindre 462,000 téléspectateurs, soit 2,6% de l'ensemble du public, entre 18h51 et 19h34. À Poal, s'adjugeant un record de saison, s'est emparé du leadership de la TNT. En page 1, soit de 18h06 à 18h45, le jeu des boîtes a contrasté en reculant de 0,2 points face à 156 000 téléspectateurs, soit 1,3% de l'ensemble du public.